Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Je t'adore. La chorale avec moi, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es là, tu transformes nos vies. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu crées un chemin au Père des miracles. Oui, Seigneur, tu tiens tes promesses. Oh, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu fais des miracles. Oh oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, deux heures de miracles, chemin de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Oui. Tu ferais un chemin, deux heures de miracles, chemin de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, c'est tu fais le chemin, tu perds des miracles, finis le feu promesse, tu perds dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, mon Dieu, pour moi. C'est ce que tu es, mon Père. C'est ce que tu es. C'est parce qu'il est que nous sommes là. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé ce matin. Nous ne savons pas ce qui s'est passé hier. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, la grande famille. Shalom, shalom à vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse ce midi, que l'Éternel Dieu puisse encore ouvrir une brèche de faveur dans ce mois nouveau qui a commencé depuis le matin. Que le Seigneur soit béni dans votre vie, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage encore de pouvoir persévérer dans sa présence. Amen. Que la persévérance soit votre partage dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, quand tu persévères, c'est là où que tu vas voir le fruit. C'est là où que tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est là où que tu vas témoigner les oracles de l'Éternel dans ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans cette session de PPRS. Amen.
Nous allons rentrer dans cette session, de PPRS, c'est-à-dire préparons-nous pour le retour du Seigneur aussi. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de faire le jeûne, nous ne savons pas, peut-être Jésus-Christ va venir ce soir, peut-être il va venir après, on ne sait pas. Alléluia, c'est pour cela, nous devons nous préparer davantage. Préparons-nous, frères et sœurs, parce que nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure où l'éternel Dieu, où Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vraiment aimer la vidéo ou partager la vidéo? Si vous avez déjà fait, que le Seigneur vous bénisse énormément, richement, abondamment dans sa présence. Je suis dans la joie de participer dans cette session de PPRS. Amen. Et je sais que nous serons bénis par l'Éternel des armées, car l'Éternel prévoit toujours de bonnes choses pour ses enfants. Amen. Ne sois pas disqualifié, mais sois qualifié, parce que l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a ramené devant sa présence. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. J'espère que vous m'entendez. J'espère que le son est bon. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Sauf qu'on a eu un peu un souci, un petit souci au niveau de la technique. Ça ne commençait pas. On a commencé à actualiser jusqu'à ce que ça a pris maintenant. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur par-dessus tout. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons glorifier ce Dieu merveilleux qui nous a donné la force, qui nous donne encore sa grandeur, sa bonté. Et nous voyons le soleil. Si vous êtes peut-être dehors, vous allez voir le soleil. Si vous êtes à la maison, vous allez voir les rayons du soleil. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez voir que non, l'ombre de la nuit est déjà passée. Maintenant, le jour nouveau apparaît réellement. Le jour nouveau est en actualité. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Si peut-être chez vous, il pleut, bénissons le Seigneur pour la pluie. Amen. Si chez vous, il y a du soleil, bénissons le Seigneur pour ce soleil merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel Dieu des armées, nous te sommes reconnaissants ce midi, car tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore, Seigneur, nous ramener au large. Et nous croyons et nous sommes en sûr, Éternel, avec toi, nous sommes majoritaires. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Nous te disons merci parce que nous étions au lit, parce que nous étions, Seigneur de gloire, Père, sur nos lits pour prendre un temps de sommeil, pour prendre un temps de repos. Mais, Seigneur, tu nous as réveillés afin que nous soyons, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, dans ta présence de 4 heures du matin. Et tu nous as encore donné la force, Seigneur, de pouvoir se connecter à ce midi, Père éternel, dans cette session, Seigneur. Oh Père, nous te disons gloire, nous te disons hosanna, nous te disons célébration, nous te disons reconnaissance, parce que c'est toi qui fais à nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Père éternel, nous voulons prendre ce moment avec action de grâce. Nous voulons considérer ces temps. Père éternel, lorsque tu es avec nous, Seigneur, nous voulons encore profiter de ta présence. Parce que ta présence, oh Dieu, est réellement hyper important dans nos vies. Ta présence est capitale dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, au travers de cette session, que tu puisses soulager une personne, que tu puisses vivifier une personne, que tu puisses édifier une personne, que tu puisses encourager une personne dans le nom de Jésus, au travers de ta parole, au travers de ton onction, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, et que ce temps soit pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Hosanna au plus haut de ciel. Alors, pour que nous puissions rentrer dans ce bain de la pépéresse, nous allons pouvoir chanter un chant merveilleux qui me vient à l'esprit. Alléluia. J'entrerai dans tes portes, j'entre dans ta présence. Amen.
avec des louanges. Devant toi, me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes. J'entre dans ta présence, amen, avec des louanges. Devant toi, me voici, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes. Seigneur, j'entre dans ta présence, amen, avec des louanges. Seigneur, devant toi, me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Oh, j'entre dans tes portes. Seigneur, j'entre dans ta présence. Amen. Avec des louanges. Devant toi, me voici. Devant toi, me voici. Devant toi, me voici. Devant toi, je m'abandonne. Devant toi, me voici. Devant toi, je me prosterne. Devant toi, me voici. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Quand Dieu te donne la bouche, frères et sœurs, c'est pour le louer, c'est pour le célébrer. Quand Dieu te donne le souffle de vie, pour que tu puisses lui rendre hommage, pour que tu puisses louer réellement son nom glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons grandement le Seigneur Jésus. Que tous ceux qui respirent puissent vraiment louer le Seigneur, parce que le Seigneur demande que nous puissions le louer, l'adorer. Il aime bien l'adoration, il aime bien la louange. Amen. Car il siège déjà au milieu des louanges de son peuple. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore demander pardon à Dieu ce soir, ce matin. Waouh, c'est midi plutôt. Comprenez-moi, parce que tellement je fais le trop tôt le matin. Chaque fois, toujours le matin, le matin. Voilà, donc pour ce midi, nous allons demander la faveur de Dieu. Nous allons demander la bonté de Dieu ce matin, car sa bonté vaut mieux que la vie, n'est-ce pas? Alors, nous allons demander sa miséricorde. Nous allons demander son amour. Frères et sœurs, regarde là où il y a quelque chose que tu vois que non, il y a un « ça ne va pas » chez toi. Peut-être tu es en train de vivre la perte de l'onction, la perte de la sainteté, la perte de la crainte de l'Éternel. Tu es en train de le perdre. Alors tu vas demander à Dieu que Dieu puisse te pardonner. Peut-être tu es en train de commettre le péché et sans pourtant que tu saches que c'est un péché. Ou alors c'est consciemment. Mais tu n'arrives pas, c'est-à-dire tu sens comme si une force qui te pousse à le faire. Alors tu vas demander à Dieu, alléluia, que Dieu puisse te délivrer. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Alléluia, apôtre Paul dira comme cela. Et Dieu est venu pour le délivrer. Alors frères et sœurs, Dieu est aussi au milieu de nous. Nous allons demander pardon. Demandons pardon pour notre attitude, pour notre comportement. Frères et sœurs, il y a d'autres personnes, ils font pas de malhonnête, ils font pas de la fausseté, mais le diable le prend pendant que
il est en train de travailler, il ne réalise pas que le souffle de vie que je possède, c'est Dieu qui me l'a donné. Et dès lors, il reçoit son salaire, il garde son argent, il ne donne pas la dîme. Frères et sœurs, ça aussi, nous sommes en train de pécher devant Dieu. Alléluia. Nous allons nous repentir, nous allons demander pardon à l'Éternel des armées. Il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout souci, de tout mal. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons de chanter, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, j'entre dans ta présence, Seigneur. Éternel Dieu, nous voici devant toi, nous crions à l'aide ce midi. Nous crions à l'aide ce midi, Seigneur, nous te demandons, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos fautes, nos manquements, nos maladresses. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Éternel Dieu, nous ne pouvons pas à chaque fois ramener le péché, à chaque fois collaborer avec le péché, avec le mal. Voilà pourquoi nous te disons, toi qui connais le cœur, toi qui sondes le cœur, de pouvoir pardonner, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ma maison, pardonne moi-même, Seigneur, oh Dieu. Père, ma façon d'agir, ma façon de penser, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, que tu puisses restaurer, que tu puisses pardonner, Seigneur, oh Dieu, ma maison, Seigneur. Que tu puisses pardonner, Seigneur, ma vie. Que tu puisses pardonner, Seigneur, tout ce qui est à moi. Je te demande pardon, Seigneur. Que tu me pardonnes par ton amour. Car tu nous dis, Seigneur, tu es là la colère et riche en bonté. Seigneur, nous voulons bénéficier de ta richesse. Nous voulons bénéficier de ta bonté. Nous voulons bénéficier de ta lenteur, Seigneur, de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous crions à toi, Seigneur. Nous disons, Seigneur, au secours, éternel Dieu. Voici nos cœurs, voici nos lourds fardeaux. Nous te prions, Seigneur, de nous décharger ce midi. Nous te prions ce midi de pouvoir enlever cette charge qui est au-dessus de nous. Nous te prions, tendre Père. Nous ne sommes pas dignes, mais nous voulons être dignes. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, oh Dieu, ayez pitié de nous ce midi. Ayez pitié de nous, Seigneur, par ta grandeur. Ayez pitié de nous par ton amour. Ayez pitié de nous par ta bonté. Pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, Père, tout ce que nous n'avons pas pu faire, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Oh Dieu, nous te demandons, pardonne-nous, Seigneur, des bonnes choses que nous devons faire, Seigneur, qu'on n'a pas pu, Seigneur, le faire. Nous te disons, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de gloire, du péché, du mal, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons si prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons demander le sang de l'agneau, que le sang de Jésus puisse nettoyer nos cœurs, que le sang de l'agneau puisse nettoyer nos vies. Amen. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Frères et sœurs, nous pouvons récupérer notre identité lorsque nous demandons le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau puisse couler dans nos vies, que le sang de l'agneau puisse ôter le péché dans nos vies, que le sang de l'agneau puisse effacer toute transgression. Prions le Seigneur. Oui, nous voulons ce midi, Père éternel, que nous soyons nettoyés, que nous soyons lavés, que nous soyons, oh Père éternel, sans tache ni ride, que nous soyons propres, agréables, que nous soyons, oh, valorisés ce midi. Viens nous valoriser par le sang de l'agneau. Valorise-nous ce midi. Valorise-nous ce midi. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons que le sang immolé, le sang précieux de Jésus, puisse nettoyer nos cœurs, puisse nettoyer nos pensées, et que tout ce que nous allons faire, et que cela soit agréable à toi, dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons ce midi que nos cœurs soient réellement un cœur fertile, un cœur malléable, un cœur sensible. Nous te prions ce midi, viens nous nettoyer, viens nous laver ce midi, lave nos cœurs. Lave nos pensées, lave notre aspect, lave nos corps, lave-nous ce midi par le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau coule maintenant, maintenant. Seigneur, enlève la colère, enlève la colère, enlève la méchanceté, enlève ce midi. Oh, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que le sang de l'agneau puisse parler à notre faveur.
comme il est dit dans ta parole, c'est le sang précieux de Jésus qui ôte le péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Nous voulons être sanctifiés, lavés par le sang de l'agneau, selon Hébreux 9 au verset 22. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons aussi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes stagnés. Sans le Saint-Esprit, c'est la chair. Sans le Saint-Esprit, c'est l'homme. Sans le Saint-Esprit, c'est l'intelligence de l'homme. Sans le Saint-Esprit, c'est la vanité. Alors nous allons demander que le Saint-Esprit puisse organiser ce moment. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la bonne conscience dans le nom de Jésus. Commencez à prier ce midi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'appelons ce midi. Saint-Esprit, donne-nous la bonne conscience dans le nom de Jésus, car quelques-uns l'ont perdu. Or, nous ne voulons pas perdre la bonne conscience. Saint-Esprit de Dieu, que notre conscience soit intacte, notre savoir soit intact, notre intelligence soit intacte. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous te prions ce midi, manifeste-toi dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, commence à mettre des projecteurs de l'intelligence dans notre cerveau, dans notre conscience, et cela dans les noms puissants de Jésus. Saint-Esprit, domine de maintenant et à jamais dans les noms de Jésus-Christ. Nous t'avons aussi prié et nous disons tous, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci ô Dieu, au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons écrire l'arche de Noé? L'arche de Noé, gloire à Dieu, l'arche de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons écrire cela, l'arche de Noé? Alléluia, l'arche de Noé. Nous sommes dans notre session de PPRS, c'est-à-dire préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes en train de nous préparer davantage, c'est-à-dire la trompette est en train de sonner. Amen. Nous voulons écouter le son de la trompette ce midi. Pour vous dire, nous devons être éveillés, nous devons être attentifs, nous devons être prêts, nous devons être aux aguets. Amen. Gloire à Dieu. Alors rapidement, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 7 au verset 1er. Amen. Genèse chapitre 7 au verset 1er. Je mets ça sur l'écran. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 7 au verset 1er. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je répète encore, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alors nous allons directement sauter, nous allons aller au verset 7. Au verset 7, gloire à Dieu. Au verset 7, au verset 7, alléluia. La Bible déclare ceci. Noé et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Au verset 8, la Bible déclare d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé. Deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Parole du Seigneur. Amen. Tendre Père,
Nous voulons manger ce repas, nous voulons savourer ces délices. Père éternel, nous te prions de pouvoir nous inspirer, de pouvoir nous donner la compréhension de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre pépéresse. Préparons-nous au retour du Seigneur. Jésus-Christ viendra. Quand Jésus-Christ viendra, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne va pas regarder que tu étais belle, que tu étais riche, ou tu étais pauvre, ou tu n'avais pas un endroit pour dormir. Mais il va regarder ton cœur, il va regarder réellement ton cœur qui était réellement disposé ou non disposé. Alors, il va simplement juger ton cœur, tes actes à toi. Alors, dans cette histoire, nous voyons, dans la Bible déclare, dans Genèse chapitre 7, nous voyons Dieu était vraiment fâché dans le sens où le monde était dans la désobéissance absolue. Il obéissait plus à Dieu. Il faisait n'importe comment. Il n'importe quoi aussi. Alors Dieu a jugé bon de pouvoir mettre fin à cette création, à cette génération, à cette terre qu'il avait créée, c'est-à-dire avec cette génération, quand je parle de la terre, c'est-à-dire le peuple qui était sur la terre des hommes. Alléluia. Alors, Dieu a dit non, ça suffit. Mais il a trouvé un homme qui était intègre, un homme à la personne de Noé. Alors, il va dire à Noé, il dit, maintenant, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. En fait, à chaque fois, quand Dieu parle ainsi, frères et sœurs, Dieu veut qu'à tout moment, que nous devons être juste devant lui ou intègre devant lui. Soit intègre devant l'Éternel des armées, pas devant les hommes. Devant les hommes, tu peux faire semblant, parce que les hommes ne voient pas le cœur de l'homme. Les hommes ne sondent pas le cœur de l'homme, mais Dieu sonde le cœur de l'homme. Dieu voit le cœur. Dieu a besoin que le peuple qui l'obéisse, qui puisse bénéficier de l'arche, alléluia, de l'arche ou de la bénédiction, d'une vie meilleure, d'une vie agréable. C'est pour cela que nous lisons ce passage. Noé a écouté, a exécuté les ordonnances de Dieu en créant l'arche pour qu'il soit protégé. L'arche, cela veut dire la protection de Dieu. L'arche, cela veut dire le refuge de Dieu. L'arche, cela veut dire que le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Alors ici, nous avons vu que Noé avait obéi et il a fait rentrer toute sa maison, sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants aussi. Et il a pris aussi les animaux qui étaient purs et les animaux qui étaient impurs. Alléluia. Et il a fait rentrer dans l'arche. Alors, frères et sœurs, l'arche représente le royaume céleste, le royaume de Dieu, le paradis. L'arche représente le jour où la trompette va sonner, Dieu va séparer le livré et le blé. Dieu va envoyer Jésus-Christ pour venir chercher ses élus, chercher ses enfants. Et ses enfants n'auront jamais la douleur, n'auront jamais la souffrance. Frères et sœurs, quand on parle de l'arche de Noé, nous voyons directement que Dieu nous mène quelque part. Dieu veut que nous soyons réellement protégés. L'arche de Noé, cela veut dire la protection de Dieu. L'arche de Noé, cela veut dire que tu sois réellement dans le rocher de sa présence. Amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour rentrer là-bas, il faudra que tu sois intègre. Il y a des processus.
il y a des conditions à effectuer. C'est-à-dire, je dois être intègre, je dois être correct vis-à-vis de mon Dieu, vis-à-vis de moi-même. Je dois me comporter. Si avant j'étais colérique, je laisse d'être colérique. Alléluia. Si avant j'étais un brigand, un voleur, je ne veux plus voler. Je dois changer réellement le statut. Je dois changer le comportement. Il s'agit donc d'un comportement. Et le comportement impacte directement notre environnement. Quand quelqu'un change, frères et sœurs, son environnement aussi, remarque au fait, pour dire que nous devons, C'est un devoir. Nous devons changer notre état, notre façon d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être devant la présence de Dieu en ayant des mauvaises choses, des choses que Dieu n'aime pas. En ayant le péché en toi, tu manges le péché matin, midi et soir et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Non, frères et sœurs. Et quand Dieu a prévu l'arche, l'arche qui va protéger Noé et sa famille et les animaux, c'est pour, bien aimé dans le Seigneur, le préserver parce qu'il devait y avoir un déluge. La pluie devait tomber pendant 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il cherche toujours le meilleur de ses enfants. Dieu nous prévient toujours. En fait, Noé, il est dans une position d'aujourd'hui. Noé, c'est comme un messager, en fait. Un messager, un évangéliste, un docteur, un pasteur, un prophète qui est en train de parler selon la parole de Dieu. Et qu'il est en train de parler selon la voix de Dieu. C'est-à-dire, il est en train de parler pour dire au peuple de Dieu, attention, attention, il y aura le déluge. Attention, attention, il y aura le déluge. Voici donc l'arche est à côté. Commencez déjà à s'aligner, d'entrer dans cette arche pour que vous soyez protégés, pour que vous soyez réellement, pour que vous soyez dans la vie sauve, en fait. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller dans l'arche de Noé. Nous voulons, frères et sœurs, rentrer dans l'arche. Entrons dans l'arche. Pourquoi? Parce que dans l'arche de Noé, là où tu seras dans la tranquillité. Nous sommes en train de faire un temps de robot. Et robot, cela veut dire nous quittons un point à un autre. C'est-à-dire, nous devons aller dans le meilleur. Nous devons aller dans l'endroit où Dieu a prévu pour nous. Et Dieu a prévu pour nous l'arche, que nous puissions tous entrer. Il dit, Noé, et la Bible déclare, et Noé entra dans l'arche avec ses fils. Frères et sœurs, quand Dieu parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça, c'est Dieu qui est en train de m'interpeller, que je dois changer mon comportement. Il y a des fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, et le monde a un système bizarre. Un système bizarre. Dans des tribus, dans des familles, il y a des familles, d'autres familles, ils sont tellement colériques. Tellement colériques. D'autres familles, et ils ne pardonnent pas. D'autres familles, ils sont tellement égoïstes. D'autres familles, ils sont tellement nerveux. Nerveux. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour dire, nous devons quitter l'état de famille. Nous devons quitter cette mentalité-là que nous avons été incubés à chaque moment quand on était chez nos parents. Nous devons changer les caps. Nous devons changer la situation. Nous devons changer l'identité pour que nous puissions bénéficier de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu est pour tout le monde. L'accès est réellement accessible pour tout le monde. Mais l'homme ne prend pas garde. L'homme veut toujours rester dans son état d'avant. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'arche est déjà disponible. Dieu a déjà fait l'arche. Il dit simplement, venez rentrer. Venez rentrer. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas simplement parce que vous avez le péché. Non, c'est pour que vos vies soient agréables. Pour que vous puissiez vivre le meilleur de Dieu. Il dit encore dans Ésaïe 55, venez, venez, venez boire à la source. Venez boire à la source l'eau, le lait et du miel. Venez boire. Et quand vous allez boire, vous n'allez pas payer de l'argent.
Et quand vous allez rentrer dans l'arche, vous n'allez pas payer le droit d'entrée. Il n'y a pas le droit d'entrée, frères et sœurs. Amen. Il n'y a pas de droit d'entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, quittons cette mentalité-là. Ah, parce que ta maman te faisait... En fait, tu as été dans une famille où les choses s'est passées tellement mal. Il y avait que des querelles, des troubles. Et tu ramènes ça même dans le lieu du mariage. Et tu ramènes ça pour... Tu commences à taper tes enfants. Tu commences à parler mal de tes enfants. Je me rappelle encore, il y a d'autres familles, quand on était encore dans le quartier, on voyait comment les familles vivaient. Il y a d'autres familles, le papa n'avait pas la pudeur vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des gens. C'est-à-dire, il disait des gros mots, il insultait les gens par des gros mots. Donc, c'est-à-dire, c'était vraiment horrible. Mais il voyait ça normal. Et les enfants aussi commençaient à prendre cette habitude-là. Or, c'était des sanités. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans des sanités comme ça, parce que ton fils a fait une erreur quelconque et tu commences à injurier même sa vie, son corps. Bien-aimé, ça c'est l'abomination. Dieu nous demande que nous puissions rentrer dans l'arche. Quand nous entrons dans l'arche, frères et sœurs, nous sommes épargnés du déluge. Nous sommes épargnés de la mentalité diabolique de ce monde. Lorsque nous sommes dans l'arche de Noé, frères et sœurs, nous allons vivre le repos le plus absolu. Bien-aimés, Dieu nous demande ce midi, que nous puissions comprendre qu'il y a l'arche qui est encore ouverte. La porte de l'arche est encore ouverte et que nous puissions entrer. L'entrée, elle est gratuite. L'entrée, elle est gratuite. Toi qui injures, tu es en train d'injurier ton fils ou ton mari, tu n'as pas de respect. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect même vis-à-vis de tes frères. Et vous parlez des bêtises, vous parlez des sottises. Frères et sœurs, les gens comme cela, ils n'entreront pas dans l'arche de Dieu. Alléluia, ils n'entreront pas dans l'arche. Parce qu'ils seront eux-mêmes dans une position de résistance, c'est-à-dire ils vont dire non, j'ai encore le temps, de toutes les façons, c'est ma vie privée, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous interpelle ce midi. Bien que tu es en train de faire le jeûne de prière, bien que tu es en train de faire le jeûne de 70 jours, tu veux expérimenter les Rehoboth. Mais pour expérimenter les Rehoboth, il va falloir que tu puisses rentrer dans l'arche. Quand tu rentres dans l'arche, tu auras ta vie sauve. Ta vie sera protégée. Ta vie sera réellement dans la protection divine. En fait, l'arche de l'Éternel, c'est la protection de Dieu. Que tu sois protégé contre le vase et marée, contre les choses de ce monde. Amen. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas toujours rester là où tu étais. Non, tu dois évoluer. Tu dois quitter l'état d'avant pour aller dans un état où l'Éternel a prévu pour toi. Et l'Éternel te donne maintenant l'état de pouvoir rentrer dans son art, dans l'arche de Noé. Que tu puisses rentrer réellement dans cette arche et que tu puisses vivre la vie divine en toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour rentrer là-bas, il faut que ton cœur puisse changer. Il faut travailler ton cœur. Il faut travailler ton caractère. Il faut travailler ton comportement. Bien que tu puisses être aussi dans l'ensemble des saints, dans le milieu des enfants de Dieu, mais que ton cœur soit un cœur raisonnable. Ton cœur soit un cœur sensible à écouter la voix de Dieu. Parce que la Bible déclare, Noé était intègre. C'est pour cela que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi pour qu'il puisse construire l'arche, qu'il soit le responsable de l'arche. Amen. Entre guillemets, qu'il soit le responsable. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner comment on va progresser pour qu'on puisse arriver à construire l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que
il a obéi à la voix de l'Éternel et Noé entra dans l'arche avec sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors fais tout possible que ta famille soit sauvée par toi. Fais tout possible que toi, tu sois une bénédiction pour ta famille. Fais tout possible pour que tu puisses ramener beaucoup de personnes dans l'arche de Noé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils empêchent les gens de pouvoir rentrer dans l'arche parce que leur comportement n'est pas agréable. Leur comportement ne signifie absolument rien. Mais il est en train de prier matin, midi et soir. Mais son comportement n'est pas encore ajusté selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. L'arche de l'Éternel, c'est la protection. L'arche de l'Éternel, c'est la couverture de Dieu. Alléluia, que tu sois dans la couverture de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est comme aussi le paradis, le jour J, quand la sonnette va sonner. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ah, mais bien-aimé, en fait, tu n'auras plus besoin de demander, ah, je dois d'abord aller à la banque récupérer mon argent. Je dois d'abord aller prendre l'argent des locataires. Oh, je dois encore aller voir. Non, tu n'auras pas le temps. Il n'y aura pas le temps, frères et sœurs. Amen, amen. Oh, je dois d'abord aller au cinéma. Non, il n'y aura pas le temps là. Tu n'auras pas le temps. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Amen, dit la Bible. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Dieu te donne la force, Dieu te donne la capacité. Frères et sœurs, rentre dans la présence de Dieu, sois intègre. Alléluia, quand tu es intègre, frères et sœurs, Dieu va te justifier à coup sûr. Même si on te fait du mal, même si tu passes des moments difficiles, Dieu viendra toujours te secourir. Dieu viendra toujours te donner la victoire. Que tu reçoives la victoire ce midi au nom de Jésus. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur. Amen, amen, nous allons prier le Seigneur. Donc, frères et sœurs, maintenant commence à examiner. Nous sommes dans la préparation pour le retour du Seigneur. Fais-toi comme si Jésus-Christ va venir maintenant, va revenir aujourd'hui. Tu n'as pas des excuses. Quand la trompette va sonner, frères et sœurs, c'est fini, terminé. Tout ça sera arrêté. Tout ça sera arrêté. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps d'aller à l'église. Ah non, je vais courir à l'église, je vais aller voir le pasteur. Frères et sœurs, tu n'auras pas ce temps-là. Oh, je vais rentrer à la maison, je vais commencer à réunir mes enfants, on va prier ensemble. C'est le moment de faire réunir les enfants. C'est le moment, ce n'est pas le moment là quand ça va sonner. Mais bien, mais là, il y a la sonnerie qui est un peu silencieuse, je peux dire. Donc, tu n'entends pas encore. Ça résonne tout doucement. C'est comme ça, c'est comme quand tu vas chez le médecin, il te fait l'examen au niveau des oreilles. Alors, quand il va commencer il te met un casque, et après il va commencer à appuyer, tu vas entendre un bruit très bas, alors très bas. C'est ce bruit-là que je suis en train de parler. C'est-à-dire, ma voix ici, c'est comme un bruit-là. Je sais pas, les gens qui ont déjà, qui sont déjà partis chez Aurel pour faire l'examen des oreilles, et je crois qu'ils comprennent quand même. Parce que quand il te met le casque, il va commencer à mettre un petit son. Vraiment, tu l'entends mini. C'est ça le son que je suis en train de faire aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous devons préparer vraiment le retour du Seigneur. Parce que la sonnette est en train de sonner tout doucement, lentement, légèrement. Mais faire attention. Faut que tu sois concentré pour que tu puisses écouter le son de la voix de Christ. Amen. Car Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons examiner maintenant notre conscience. Examine-toi maintenant. Fais-toi un examen. Alléluia. Comme aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on faisait l'examen et je reçus l'examen. Et pourtant, c'était difficile, mais je n'ai pas compris, je le récite. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire, frères et sœurs, nous devons à tout prix regarder, sonder le cœur. Le cœur de l'homme est toujours oublié. Le cœur de l'homme a toujours tendance d'aller quelque part. Voyez-vous, nous sommes en train de faire le jeûne, mais tu vas voir, comme tu jeûnes, la chair va parler à ton cœur.
mais mange un peu, mais bois simplement un peu ça. Non, mais est-ce que... Donc, c'est-à-dire, il te dit simplement d'aller manger, mais il ne te dit pas d'aller prier. Il ne te dit pas, la chair ne va pas te dire, va prier, mais la chair va te dire simplement, va manger, va manger. Bon, goûte un peu, va dans la cuisine un peu. Bon, bois un peu du jus un peu. Bon, au lieu de te dire, non, va prier, c'est l'heure de prier. Toi, va prier toi-même. C'est l'heure pour toi de prier. C'est-à-dire, ce temps-là qu'on te laisse pour prier. Et va méditer la parole. Il ne te dit pas ça. Il va te dire autre chose. Bon, va faire les courses. Va faire les courses. Bon, tu vois, tu vas aller quelque part là. Bon, achète les légumes. C'est-à-dire, il te met dans le brouillard, en fait. La chair te met dans le brouillard. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-nous au retour du Seigneur. Car Jésus-Christ, bientôt, très bientôt, il viendra chercher son Église. Il viendra chercher ses élus. Tu es un élu de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, tu es un élu de Dieu, frères et sœurs. Tu n'es pas venu ici sur la terre pour dire que non, ah moi je ne suis pas un élu de Dieu. Déjà, Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Dieu connaît les gens qui naissent aujourd'hui. Dieu connaît les enfants qui meurt aujourd'hui. Dieu connaît tout le monde. Il y a rien qui est étonnant devant Dieu. Il y a rien qui est inaperçu devant Dieu. Amen. Alléluia. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde. Dieu sait le besoin de tout le monde. Dieu sait le cœur de tout le monde. Dieu connaît, frères et sœurs. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est temps. Il est temps d'examiner ton cœur. Examine ton cœur. Seigneur, je regarde, je réexamine mon cœur. Il y a d'autres personnes qui examinent seulement leur cœur en regardant les autres. Tu regardes les autres. Non, on te dit toi, ne regarde pas les autres. Ah non, moi c'est mon mari. Ah moi c'est ma femme. Ah moi c'est mes enfants qui me dérangent. Non, commencez à examiner maintenant ton cœur. Examine-toi, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le chemin de la victoire? Est-ce que je suis sur le chemin de vérité? Est-ce que je suis sur le chemin de la crainte de l'Éternel? C'est ça que tu vas examiner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, la fréquentation là que tu es en train de fréquenter, est-ce que c'est une bonne fréquentation? Est-ce que c'est une bonne fréquentation? Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, peut-être non, je suis dans une association, tu es dans une église, et après tu es aussi dans une association mondaine, et tu dis que non, parce que oh, c'est comme ça, on est habitué depuis l'enfance. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez ces choses-là. Alléluia. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Selon Psaume chapitre 1er. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi. Bon, c'est sur le travail, hein. Bon, c'est le travail, c'est les collègues du travail. Nous sommes, c'est notre système ou c'est notre, comment on dit ça? Comment je peux dire ça? Nous sommes habitués, c'est notre coutume de se revoir à tout moment, de prendre un petit pot, tout ça. Frères et sœurs, non, je ne suis plus de ce monde. Alléluia, je ne suis plus de ce monde. Amen, amen, amen. Alléluia, toi tu es différent parce que toi tu es un élu de Dieu, parce que toi tu es un ambassadeur de Dieu. Tu dois être différent des autres. Amen. Tu dois pas tu dois pas être, tu ne dois pas se mêler, frères et sœurs. Non. On ne mélange pas la vie qui est tout neuf avec la vie qui est déjà démodée, la vie qui est déjà abîmée. Non, non, il y a pas de rapport. Amen. Il y a pas de rapport. Bien-aimé, examine-toi. Aimes-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Quelqu'un qui aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il donne tout à Dieu. Il donne son cœur, il donne son âme, il donne sa vie, il donne sa force, il donne son temps, il donne tout, les trésors, il donne tout à Dieu. Il donne sa famille à Dieu, il donne ses enfants à Dieu, il donne sa maison à Dieu, il donne sa voiture à Dieu, il donne tout. Alléluia, il donne tout. Comment il donne tout? Pendant que les bien-aimés ont besoin, il dit que non, voilà, je propose ma voiture.
pendant que les gens ont besoin pour ramener les gens à la gare. Mais moi, j'ai une voiture, je me propose aussi. Je viens, je vais aussi faire partie pour ceux-là qui ramènent les gens à la gare. C'est ça, donner tout à Dieu. Amen. Tu ne fais pas pour que le pasteur puisse t'acclamer. Non, frères et sœurs. Tu ne fais pas ça pour que le pasteur te voie. Non, tu fais ça pour l'œuvre de Dieu. Tu fais ça pour Dieu parce que tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec notre salut. Ne jouons pas avec le paradis. Le paradis existe. Ne jouons pas avec Jérusalem céleste. Jérusalem céleste existe. Jérusalem nouvelle existe. Alléluia. Bien-aimés, comment tu vas rater? Et regarde, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ce monde? Pour manger, tu as déjà mangé. Pour boire, tu as déjà bu. Avoir des enfants, tu as déjà des enfants. Avoir la famille, tu as déjà la famille. Tu as tout, tu as le travail. Tu as les papiers. Tu as tout. Tu as quoi? Des wax, c'est des super wax, c'est des chaussures. Tu as la télé, tu as tout. Tu as une montre, tu as le portable. Tu as tout. Tu as tout. Même si tu n'as pas le papier, mais tu as le souffle de vie. Tu as le souffle de vie. Tu as tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde entier et de perdre son âme? Alléluia. Non, tu ne dois pas perdre ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait déjà 5 ans que tu es déjà membre d'une église quelconque. Ça fait déjà 10 ans que tu es un enfant de Dieu. Demeure dans cet élan. Demeure, augmente encore. Maximise encore le temps. Il ne faut pas dire non, je suis fatigué, maintenant je vais me reposer. Non. Je bénis le Seigneur. Un homme de Dieu, le dimanche, avait dit, il nous a dit, quand on était dans le bureau, il dit ceci, il dit qu'un homme de Dieu, soit il est debout, soit il est par terre, il tombe, mais il ne s'assoit pas. Amen, il ne s'assoit pas, frères et sœurs. Parce que tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas t'asseoir. Quand tu t'assois, c'est là où que non, le sommeil viendra. Alléluia. C'est là où le sommeil va rentrer en toi. Ne dors pas. Ne t'assois pas, sois debout. Amen. Parce que quand quelqu'un est ni chaud, ni froid, on va le vomir, n'est-ce pas? On va le vomir. Celui qui est tiède aussi, on va le vomir. Il faut que tu sois chaud. Amen. Il faut que tu sois chaud aux choses de Dieu. Il faut que je sois chaud. Il faut que je sois brûlant. Amen. Et que je sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne là que tu es en train de faire, tu ne fais pas pour le pasteur. Tu ne fais pas pour quelqu'un, non, tu fais pour toi, pour ta conscience, pour ta vie spirituelle, pour ta foi. Tu es en train de maximiser ta foi. L'homme intérieur est en train de prendre la vitamine, l'ampleur à l'intérieur de toi. Ne baisse pas les bras. Et après le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, le diable va venir. Le diable va se venir par une tempête. Frères et sœurs, ne faut jamais laisser l'accès à l'ennemi. Faut fermer les portes, rentre dans l'arche. Alléluia. Si tu veux être protégé, tu dois rentrer dans l'arche. Quand tu rentres dans l'arche, c'est-à-dire, je rentre dans la présence de Dieu. Je rentre dans la parole de Dieu. Je pratique la parole de Dieu. Amen. Examine-toi, bien-aimé. Examinons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Examinons-nous. Je viens à l'église, je quitte la maison, je viens à l'église, je quitte la maison, je viens à l'assemblée, je suis connecté, je fais ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que tout cela soit vraiment en vain? Tu veux que tout cela soit vraiment en vain? Non. Non. Frères et sœurs, ici dans ce monde, il n'y a que la tribulation, il n'y a que la violence, il n'y a que l'injustice, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a sa maison, on le prend sa maison. Quelqu'un qui a fait ses enfants à lui, c'est ses enfants à lui, pour rien du tout. Mais bien-aimé, on prend ses enfants, bien-aimé. L'injustice dans ce monde. L'injustice dans ce monde, on lui donne même le jour que non, voilà tel jour que tu vas aller voir tes enfants, et pourtant il n'a rien fait, et pourtant il y a l'injustice absolue. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous, frères et sœurs. Peut-être un mari t'a quitté, tu dis, oh non, ça y est, c'est fini, tu jettes l'éponge. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu n'a pas besoin de demander le compte à ton mari là. Dieu n'a pas besoin de te demander, ah, tu avais fait le mariage dans quelle église? Ah, c'était comment? Non, il ne va pas demander ça. Il va demander ton cœur. Est-ce que ton cœur avait des fruits? Est-ce que tu avais porté des fruits vis-à-vis de lui? Amen. Waouh. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Commencez à faire l'examen. Nous sommes au début du mois. Nous sommes au début du mois de novembre. Il faudra que tout soit nouveau en toi. Il faudra que la nouveauté rentre en toi. Il faudra que tu sois une autre personne. Que non, je dois maintenant maximiser. Je dois être mûr, mais bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il y a des classes? Pourquoi? Parce qu'il y a des classes, pourquoi? Quand je parle de classes, c'est-à-dire l'école. Pourquoi il y a l'école? Pour que l'enfant puisse progresser au fur et à mesure. Il va commencer par première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, ainsi de suite. Il monte au fur et à mesure. Amen. Il monte au fur et à mesure. Après, à la fin, il va pouvoir passer le bac. Il va pouvoir passer d'examens pour montrer son niveau. Quel est son niveau, frères et sœurs? Il y a des tempêtes qui vont venir pour montrer quel est ton niveau. Amen. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne ratons pas le paradis. Le paradis est réel. Ne ratons pas, alléluia, la gloire éternelle. La gloire éternelle est réelle. Ne ratons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle. La vie éternelle est réellement réelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, tu vas faire l'examen de conscience maintenant. Frères et sœurs, répands-toi plutôt. Quand tu vois que non, il y a quelque chose que tu n'arrives pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux laisser le péché et de rester saint devant Dieu. Et Dieu, au temps convenable, peut-être il va te donner ton mari, il va te donner ton mariage parce qu'il a vu ton intégrité. Alléluia. Quand Dieu voit l'intégrité dans l'homme, Dieu vient intervenir. Dieu vient pour donner la justice. Amen. Alléluia. Là maintenant, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à faire l'examen des consciences à l'intérieur de toi. Là où tu peux arranger. Là où tu vas arranger. Alors, nous allons prendre un temps de réflexion maintenant. Alléluia. Un temps de réflexion. Parce que nous sommes dans la préparation du retour du Seigneur. Commencez à examiner. Ne sois pas pressé de commencer à parler. Commence à examiner ton cœur. Là où il y a un défaut. Là où tu vois que non, il y a un trou. Que tu dois boucher le trou. Là où tu vois que non, il y a un mal. Que tu dois enlever ce mal-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui décides. J'ai toujours dit, mais bien-aimé, quand quelqu'un prend la décision, cela veut dire la décision, la bonne décision engendre la délivrance pour sa vie. Amen. Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt, apprends le mien tel qu'il est, pour tout sauveur parfait, sauveur agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt, apprends le mien tel qu'il est, pour tout Seigneur, sauveur parfait à toi, de Dieu je viens. Nous allons examiner nos cœurs. Alléluia. Examine-toi, frères et sœurs. Il dit, réveille-toi, lève-toi là d'où tu étais tombé. Répands-toi, frères et sœurs, la repentance. Examinons, cela veut dire, nous devons nous repentir. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma sœur. Amen. Vous savez, le diable est vraiment risé. Après avoir prié, il va te ramener dans des choses un peu bizarres. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi c'est moi qui parle beaucoup? Pourquoi il y a telle chose? Je suis la base.
examinons nos cœurs. Alors tu vas demander à Dieu d'enlever toute plante qui n'a pas planté en toi. Tu vas demander à Dieu ce midi, Dieu enlève toute plante que tu n'as pas plantée en moi, dans le nom de Jésus. La plante de la colère, la plante de la méchanceté, la plante du péché. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, un consacré, un élu de Dieu. Commence à prier ce midi au nom de Jésus. Éternel, nous voici devant toi ce midi. Toi qui as dit dans ta parole, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Nous te prions ce midi, Seigneur, de déraciner la plante, Seigneur, de la colère. La plante, Seigneur, du péché. La plante, Seigneur, de gloire de la transgression. La plante, Seigneur, de gloire paix de l'égoïsme. La plante, Seigneur, mauvaise à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, Seigneur. Éternel, toi qui connais mon cœur, tu sondes le cœur de ma vie. Je prie ce midi, ô Dieu. Je viens ce midi pour dire, enlève cette plante. Cette plante n'a pas le droit dans ma vie. La plante de la haine, la plante du mensonge, la plante de l'ivrognerie, la plante de l'adultère, la plante de la débauche, la plante d'alcool. Je te prie, tendre Père, enlève cela parce que je vais gagner le paradis. Je vais rentrer dans l'arche de Noé. Je vais rentrer dans ton intimité. Oh Dieu, je te prie ce midi, je te prie ce midi, pitié ce midi. Père éternel, enlève cette plante mauvaise. Cette plante mauvaise qui fait en sorte que je tombe tout le temps. À tout moment, je me lève, à tout moment, je tombe. Je te prie ce midi, je te prie ce midi. Oh Père éternel, enlève cette plante méchante, cette plante qui change mes propos, cette plante qui change mon identité, cette plante qui change ma destinée, cette plante qui change ma bénédiction en malédiction. Je te prie, tendre Père, enlève cette plante dans le nom de Jésus. Que cette colère ne soit pas dans mon cœur. Que cette colère ne soit pas dans mon être. Je te prie, tendre Père, enlève cette colère. Enlève cette colère au nom puissant de Jésus. Enlève ce péché dans mon cœur. Enlève ce péché dans mon cœur. Car j'ai entendu ta voix ce midi. Car j'ai entendu ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Oh Dieu. Que cette plante soit ôtée dans ma vie. Que cette plante soit déracinée maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous repentir ce midi. Alléluia. Tu vas demander encore pardon à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui demeures dans le péché, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime bien le pécheur pour se repentir. Alors tu vas demander à Dieu ce midi que Dieu puisse te pardonner. Que Dieu puisse te pardonner. Que ton pardon maintenant soit sincère. Parce que tu as compris pourquoi tu dois demander pardon. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Demandons pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, le Seigneur, Dieu notre Père. Qui nous envoie le Sauveur Jésus-Christ. Il est la lumière qui nous éclaire. Ouvrez nos cœurs par ta parole. Donnez-nous la force de suivre sa voie. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Seigneur, pardonne-nous ce midi, pardonne-nous Seigneur. Nous sommes conscients, Seigneur, oh Dieu, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit être changé. Nous sommes, Seigneur, conscients, Seigneur, de gloire pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas cette vie, Seigneur, de cacheterie. Nous ne voulons pas cette vie, Seigneur, de semblant. Nous ne voulons pas cette vie, Seigneur, de s'efface. Nous ne voulons pas cette vie, Seigneur, de gloire, Père, oh Dieu, de l'hypocrisie, Seigneur. Nous te demandons, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, pour que je puisse bénéficier, ô Dieu de gloire, de cette arche, Seigneur, de Noé, il me faut, Seigneur, ton pardon.
Pardonne mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, que je ne sois pas, Seigneur de gloire, Père, dans cette, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, moule, Seigneur de l'ennemi, et que je ne sois pas, Seigneur de gloire, Père, dans cette, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, dans cette collation du péché, Seigneur, mais que tu sois, que je sois, Seigneur de gloire, Père, pardonné. Pardonne mon cœur ce midi. Pardonne-moi dans les noms puissants de Jésus, dans les noms de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pouvoir décider maintenant de suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois décider dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je décide maintenant de te suivre. Malgré la tempête, malgré le bousculade, mais je vais te servir. Je vais te suivre de tout mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais un vœu à Dieu ce midi. Fais un vœu à Dieu ce midi. Renouvelle ton vœu ce midi en disant, Seigneur, je veux te suivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à prier ce midi. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, je veux te suivre, Seigneur, oh Dieu. Je décide de te suivre maintenant, Seigneur. Viens, rentre dans mon cœur. Viens, rentre dans mon être. Viens, rentre dans chaque, oh, dans chaque système de mes pensées. Viens, rentre maintenant. Rentre dans mon esprit, dans les noms de Jésus. Mon Père, je te prie ce midi, Jésus-Christ de Nazareth, viens rentrer dans ma vie ce midi. Viens rentrer dans ma vie ce midi, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, je te prie, ô Dieu de gloire, je veux ce midi que je sois transformé, que je sois changé. Oh, je te prie ce midi, je te demande de pénétrer dans mon cœur. Je demande que tu sois le maître de ma vie. Je demande que tu sois le Seigneur de ma vie. Je te demande que tu sois le conducteur de ma vie. Oh, je te prie ce midi, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je veux ce chemin qui donne la vie. Je veux ce chemin qui ramène, oh, ma vie dans la clarté, dans la vérité. Je veux ce chemin ce midi, dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux ce matin, ce midi plutôt, que je sois, oh Dieu de gloire, devant ta présence. J'ai dit ce midi, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de ma vie, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier à Dieu ce midi, que Dieu puisse te donner la sensibilité d'écouter sa voix, d'écouter ses oracles, d'obéir à sa volonté dans les noms de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voici devant toi ce midi. Nous me voici, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la sensibilité, Seigneur, d'écouter ta voix et d'obéir à ta volonté dans les noms puissants de Jésus. Mon Père, je te prie ce midi, donne-moi cette capacité, donne-moi cette, oh, sensibilité de pouvoir écouter le son de ta voix dans les noms de Jésus. Que je sois intègre comme Noé était intègre dans les noms de Jésus. Que je sois intègre comme Seigneur de gloire, Père, que tu le veux, dans les noms puissants de Jésus. Je te prie ce midi, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans mon cœur, de maintenant et à jamais. Je te prie, tendre Père, je veux ce midi, Seigneur, que ma vie, que mon cœur, que mon être soit capable de toute bonne œuvre, dans les noms de Jésus. Oh, je veux être intègre, je veux être juste devant toi, dans les noms de Jésus. Je vais porter ma croix et de te suivre, dans les noms puissants de Jésus. J'accepte de porter la croix, dans les noms puissants de Jésus. J'accepte d'apporter la croix, dans les noms puissants de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pouvoir demander à Dieu, alléluia, que Dieu puisse t'orienter, alléluia. L'orientation de Dieu. Noé a été orienté par Dieu en disant, Noé, entre dans l'arche. Dieu lui a orienté. Demande à Dieu de t'orienter ce midi dans le nom de Jésus, de pouvoir rentrer dans l'arche. Dis à Dieu, oriente-moi Seigneur. Oriente ma vie, oriente mon cœur, oriente mon comportement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Éternel Dieu de gloire, nous voici encore devant ta présence. Nous te demandons ce midi, oh, de pouvoir nous orienter. Oriente-nous dans ton orientation divine. Oriente-nous sur le chemin de la vie. Oriente-nous sur la voie de l'éternité. Oriente nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous te prions ce midi. Nous te prions ce midi, tendre Père, viens nous orienter. Oriente ma vie, oriente mon cœur. Il s'agit donc de moi, parce que la foi est réellement pour mon Seigneur, pour que je puisse bénéficier de ton royaume. Oh, je te prie, Seigneur, oh Dieu, je vais bénéficier aussi, Seigneur, de ton salut, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Oriente ma vie, oriente ma foi dans le nom puissant de Jésus. Oriente ma foi, Seigneur, à être agréable à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes là, vous voulez vraiment que votre vie soit engagée de nouveau dans la vie des chrétiennes, je vais prier pour vous. Mettez le chiffre 1, je vais prier pour vous. Que Dieu puisse vous donner la force. Ceux-là qui sentent que non, ils n'ont pas la force, mettez le chiffre 1, je vais prier pour vous. Et nous allons terminer par là. Alléluia. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle, la voix qui me donne la paix. À toi pour moi je dis, tu étais mort, à toi j'ai la vie éternelle, à toi je vais vivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour moi tu es victoire. À toi, tu es ma restauration. Seigneur éternel, je prie dans le nom de Jésus pour tes enfants, Seigneur éternel Dieu, qui sont obéissants, qui sont, Seigneur de gloire, Père sincère vis-à-vis de toi. Père, prends le contrôle de leur vie, Seigneur. Que leur engagement soit renouvelé aujourd'hui, Seigneur. Père éternel Dieu, baptise-le, Seigneur, du feu de l'Esprit, afin que la chair soit consumée au nom de Jésus. Éternel Dieu, baptise-le, Seigneur, gloire, Père, oh Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, afin qu'il puisse marcher selon l'Esprit de Dieu et de ne pas accomplir les désirs de la chair, dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, je te prie dans le nom de Jésus, prends-le, Seigneur, en charge maintenant, Seigneur. Prends-le en charge, Seigneur, comme tu avais pris en charge, Seigneur, Noé et ses enfants, Noé et sa femme, Noé et sa famille. Père, je te prie dans le nom de Jésus, de prendre soin de tes enfants, Seigneur. Prends soin, Seigneur, oh Dieu, de tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de renouveler leur intimité avec toi. Éternel Dieu, sans toi, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Déverse tes paroles, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, que leur vie soit une vie agréable au nom puissant de Jésus. Seigneur, avec un cœur sincère, je te prie dans le nom de Jésus, qu'il ne soit plus, Seigneur de gloire, Père, dans l'étape, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, du péché, mais qu'il soit dans l'étape de la consécration, de la sainteté, dans le nom de Jésus, que la sainteté soit leur partage dans le nom de Jésus, qu'ils soient intègres devant toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, toi qui pardonnes, Seigneur, le peuple, toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vois ton peuple ce midi. Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de rentrer dans l'arche, ils ont besoin de rentrer, Seigneur, dans ta protection, dans ta bergerie. Oh Dieu de gloire, protège-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare, vous êtes protégés, je déclare, vous êtes rentré dans l'arche de Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu vous soit accordée dans le nom de Jésus. Que l'Éternel puisse renouveler votre alliance. Que l'Éternel puisse renouveler votre intimité avec lui dans le nom de Jésus. Et que le sang de l'agneau puisse sceller cette alliance dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai dit que vous êtes restaurés. Vous êtes debout dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et nous disons tous amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix Père est simplement, c'est pour réfléchir notre pensée, réfléchir notre conscience. Amen,
Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Avant de quitter, si vous pouvez aimer la vidéo et juste aimer la vidéo, cela va permettre à d'autres personnes de pouvoir voir la vidéo. Donc, nous allons nous retrouver donc à partir de 17h. N'oubliez pas, ne partez pas si vite. Je donne un communiqué. Donc, aujourd'hui, la prière va commencer à 17h pour terminer à 18h. Amen. 17h pour terminer à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous qui avez donné les offrandes. Que le Seigneur vous rend au centuple. Que le Seigneur puisse vous localiser là où vous êtes. Que le Seigneur puisse vraiment essuyer vos larmes. Que l'Éternel puisse faire en sorte que ces larmes de pleurs-là deviennent des larmes de joie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel puisse ouvrir des portes de faveur pour que vous puissiez vivre vraiment le réobot dans la totalité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si vous êtes là pour la toute première fois, mettez alors le chiffre 1. Amen. Le chiffre 1 ce soir. Mettez le chiffre 1. Mettez la ville à côté. Nous allons vous accueillir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons des nouveautés dans ce nouveau mois de novembre. Qu'il y ait des nouveautés de grâce, des nouveautés de faveur, des nouveautés de succès dans le nom puissant de Jésus. Et que ce mois puisse vraiment vous trouver en bonne forme dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. À partir de 17h, nous commençons la confession. Amen. Merci beaucoup, Pierrette. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, frères et sœurs, de participer à la table du roi ce midi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde énormément. Rachel soit bénie, maman Isanga soit bénie, Laure soit bénie, Frida bénie de l'Éternel soit bénie, maman Kadi soit bénie. Que le Seigneur vous bénisse, Anne-Marie soit bénie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. Shalom, shalom, shalom. Avec Dieu, je ferai des exploits.
œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, car avec Dieu, nous ferons des exploits, non par la volonté de l'homme. Même si le vent. J'ai parlé à quelqu'un. C'est que je sais, je ferai des exploits. Toi aussi, tu feras des exploits. Tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui, il y en a qui nous appellent, prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, sa parole ne change pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand il prend ta femme, il prend ta vigueur au travers de ta femme, vous voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur. Et il y avait même un moment. Si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.